Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 44 de Stage 1. Et nous allons parler aujourd'hui de Need for Speed encore. Et cette fois-ci, c'est Need for Speed Undercover. Donc, il est sorti bien après Most Wanted et qu'est-ce que j'ai parlé? Non, et Most Wanted. Mais il est sorti donc avant Haute Poursuite, avant The Run. On va dire que c'était entre les deux. On voyait un peu le graphisme qui augmentait. Et le jeu un peu qui changeait, sauf que là, donc là, ça va être de l'exploration de ville et de la course. Donc c'est parti. Alors Need for Speed Undercover. Donc direct, voilà, ils nous mettent. J'ai chargé la partie, ils nous mettent directement dans la ville. On se balade librement. Et là, on a des trucs qui apparaissent en bas. On va appuyer sur Tab, voilà, et on va être emmené à l'épreuve directement. Voilà, c'est en traversant la ville, on découvre les épreuves. Voilà, la course va se lancer. On est là. Tac. Donc il y a toujours un mec qui fait la ligne de départ. Je sais pas trop pourquoi. Donc là c'est une course toute simple, hein, toute basique. On va essayer de gagner. Et donc c'est parti. Donc vous voyez au niveau du gameplay. Donc là bah là c'est toujours à peu près pareil. J'ai envie de vous dire au niveau Need for Speed, bah voilà, vous avez une voiture. Les contrôles sont toujours à peu près identiques. Au niveau de la tenue de route aussi, ça tient plutôt pas mal, ça tourne assez bien. C'est moins réaliste évidemment que les autres plus récents, hein. C'est normal, il est plus vieux. Et bon, le graphisme, pas non plus, hein, c'est pas non plus poussé, mais c'est quand même plutôt bien fait et bien pensé. Même au niveau du virage, les pistes sont pas trop dures. Elles sont ce qu'il faut, quoi, comme dans une vraie grande ville. Voilà, donc pour l'instant on gère un peu. Donc on gagne un peu tout ce qui est réputation. Vous avez quelque chose à gauche là, une barre rouge qui monte. Alors quand vous faites des dégâts, quand vous fuyez les flics ou des trucs comme ça, donc ça monte. Et donc là je suis niveau 3 au niveau de la réputation de la ville. Et donc ça monte tout seul, ça se fait tout seul quoi. Quand vous passez un niveau, bah voilà, vous avez passé un niveau tout simplement. Je gagne un peu des bonus quand je fais des segments sans faute. Là, ça doit être pour Manitro. J'ai pas trop fait attention. Je ne sais pas trop où ça se met. On a une histoire de foi de truc là, la barre là à droite là, sur la droite du compteur. Je ne sais pas vraiment à quoi elle correspond. Sur quoi elle influe, ça non plus. Donc je pourrais pas vous dire. Donc on a toujours la Nitro. Donc ça va. C'est pas un problème. Segment sans faute, donc je suis en x2 là. Non, x2 quoi? Est-ce que je gagne deux fois plus de nitro? Je sais pas. Donc, toujours, bah là on est dans la course, donc on était 4 ou 5. Donc bah là je suis premier, vous voyez en haut, qui nous donne le temps de différence avec les autres. On va pas tarder à arriver à la fin de la course. On est à 56-57% de la course. Donc j'allais dire, on arrive à la fin, mais non, pas encore, 60%. Ça fait déjà 2 minutes et 10 secondes qu'on court. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? La voiture, bah pour l'instant j'ai tapé quelques trucs, mais elle a pas trop murflé. On va dire qu'il y avait moins de respect sur la collision des choses. Parce que bon, là elle est quand même dans un bon état. Segment sans faute, regardez, je gagne encore des trucs, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc voilà, on va faire deux petites courses sympathiques. Je sais pas si on en fera deux ou trois. Parce que celle-là, si elle se finit, ouais, on va en faire au moins une deuxième. Hop. On croise pas beaucoup de circulation. Je sais pas quelle heure il est dans l'histoire. Mais on croise une voiture tous les kilomètres. C'est pas beaucoup. Temps intermédiaire 1,41. Voilà, on est à 82%, 83%. Elle arrive. On remarquera quand même que la ville est bien grande. Le tracé, il est bien indiqué sur la petite minimap en bas à gauche. Donc on sait bien sur quoi on va tomber. Après tout ce qui est petit raccourci là, voilà, qui nous permettent de gagner voilà, un minimum de temps. Ah là, putain, je me suis fait doubler. Donc je suis passé deuxième. Allez. Ah non, je me suis pris une voiture. Ah non, non, ah non, en plus on arrive à la fin à 97. Oh non. Ah, c'est moche ça. Ah, troisième. C'est très moche de tenir premier sur toute une course et de pas pouvoir finir premier. Bon bah voilà, je suis troisième. C'est pas magnifique, j'ai perdu. Bon, j'aurais été premier quand même sur toute la course. Donc voilà, on repart de la fin de la course.
Mais donc là, bah, j'appuie sur tab, en fait, je suis allé très vite. Machinalement, j'appuie toujours sur tab parce que l'exploration, bah, c'est pas vraiment le but pour l'instant. Donc là, on est parti sur une course-poursuite provoquée pour 15 000 $ de dégâts. Donc il faut que je fasse du dégât. Alors, coup pour l'état, 250 à chaque fois que je tape une voiture. À chaque fois que j'ai un petit accident, ça fait un coup pour l'état. Et donc il faut que je fasse 15 000 $ de coup pour l'état. Alors, le but, ça va être de renverser un maximum de petits trucs. Genre les petites décorations qu'il y a sur le bord des routes, les signalisations, ça coûte toujours un peu d'argent. Taper quelques voitures, ça coûte pour l'État. Par contre, je suis poursuivi par 50 milliards de flics. Donc ça va, là ils vont pas trop m'avoir, mais il faut que je trouve des trucs à renverser. Collision évitée, bon ça va. Ça c'est autre chose, on a vu les points. Alors, il faut repérer là où c'est qu'on va pouvoir casser des trucs. Mais il faut déjà échapper un peu aux flics parce que sinon. Sinon, ça va pas être la joie. Allez, ils me suivent, mais un truc de fou quoi. Alors, par contre, ouais, c'est limité ça. C'est parce qu'il faut détruire un maximum de choses en très peu de temps. Hop là. On va aller voir là. On va essayer de semer le flic. Ah mais non, mais ils sont cheatés les flics, ils me rattrapent comme des flics. Coup pour l'état, allez. Je vois le suspect. Code 3. Ah merde. Ah, je pouvais aller à droite pour détruire le truc là. Ah, je l'ai pas fait. Je suis trop occupé à gérer les flics en fait. Ah non non, putain, il m'a reçu par là. Non, merde. Oh merde, non, c'était là. Oh là là. On va refaire un petit tour. S'ils veulent pas trop nous niquer. Merde, je suis passé par où tout à l'heure là? Oh merde. Je me suis gouré de chemin. Oh putain, bah, c'est pas grave. Bon, je me suis gouré de chemin. Voilà, je merde total. Je voulais refaire un tour et j'ai pris l'autre chemin et donc du coup j'étais sur la route. Mais comme je suis entouré de flics, il faut pas trop que je m'arrête parce que si je m'arrête trop longtemps, ils vont considérer que je suis arrêté. Là on voit la petite barre là en bas, mais ça va, elle est toute bleue. Donc là il y a quelque chose à détruire et c'est où? C'est ça non? J'ai pas trouvé, il y avait un truc à détruire là, je l'ai pas trouvé. Ah j'hallucine. Un véhicule qui correspond au signalement. Ah là là, non, ça va être short, j'ai fait que 3000 de dégâts. Il y avait un truc à détruire, en général ça rapporte à plein axe. Je suis passé au travers et j'ai pas vu de truc super énorme. Ouais, bah je crois bien que c'est pas la peine. On va pas y arriver. Il y a des flics là-bas devant encore. Oh là là, ils sont partout. Je fais comment, je vais en arrière ou... Ouais, non. Je l'ai perdu. Bon, il est parti alors, on va pouvoir continuer. Ah, mais ils sont horribles ces flics, ils sont partout. Ah, c'est ça qui est chiant. Oh, de toute façon, on n'y arrivera pas, il reste de toute façon 12 secondes là. 9 secondes, voilà. Puis 9 secondes pour faire 10 000 de dégâts, 12 000 de dégâts. Moi, je me suis mal pris, j'ai raté plein des occasions de faire des milliers de dégâts. Franchement, les structures là, elles faisaient des milliers de dégâts. Voilà. Donc, j'ai perdu encore une fois, malheureusement. Donc on va s'arrêter là pour Need for Speed Undercover et voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.